Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous reviens. Je me suis mis dans cette pièce parce que c'est là où il y avait le plus de luminosité, parce qu'aujourd'hui il fait vraiment pas bon. Donc on est lundi, le lendemain de vide grenier. Donc vous doutez bien que je reviens pour un retour de vide grenier. Alors cette fois-ci, j'ai pas eu beaucoup de chance, j'ai pas trouvé énormément de choses. Enfin, Disney surtout. Après, j'ai trouvé quelques petites affaires pour la pépette en habit et pour moi. Donc, je vais vous montrer ça de suite. Alors, qu'est-ce que je vous montre en premier? Alors, des livres, j'ai trouvé. Donc, dans les classiques, Dumbo, que je n'avais pas. Les 102 dalmatiens. Voilà. À chaque fois, je les ai eus à 1 euro. Le Roi Lion 2, l'honneur de la tribu. Donc, ils sont en bon état. Voilà. Et enfin, Timon et Pumba, les aventures de Timon et Pumba. Voilà. Donc, toujours dans les. Ah non, celui-là, c'est le même format, mais c'est pas dans les classiques. Bref. Et ensuite, la dame me l'a fait à 2 euros celui-là parce que il était matelassé et tout. C'est dans les. Dans Disney Cinéma. Voilà, donc c'est La Belle et la Bête. Donc, très très beau livre, bien sûr. Je vais m'apercevoir qu'il est un poil abîmé, mais bon, tant pis. Si je le retrouve. Hein. Je le reprendrai dans cette édition, mais j'ai trouvé la couverture magnifique, l'histoire en elle-même. Voilà. Bref, passons. Ensuite, encore au niveau livre, ça c'était dans le dernier que j'ai pu faire. J'en ai fait deux, alors il y en a rien. Les deux de l'après-midi que j'ai fait avec ma fille. Le premier, il n'y avait pas énormément d'exposants, donc. Il n'y avait absolument rien. Et dans le deuxième, il y avait quelques exposants, mais je m'attendais à plus. Et au final, je n'ai trouvé que celui-ci. Donc, c'est dans les grands classiques, dans ce format-là. Il vaut à la base 8,90 €, et donc je l'ai eu à 1 €. Voilà, donc la Reine des Neiges. Très joli, très très joli. Avec. C'est du papier glacé, vous voyez. Voilà. Nickel. Et il a le. J'allais dire la couverture est matelassée, mais pas tout à fait. Et ensuite, je vous montre tous les livres comme ça, après je montre les fringues. Pour finir, dans les livres, alors ça c'est pas Disney, mais vous savez que je lui ai fait la collection, c'est l'imagerie de la montagne. Celui-ci, je ne l'avais pas. La dame en avait un autre, c'était les poneys et les chevaux, mais je pense que je l'avais déjà, donc du coup je ne l'ai pas pris parce que j'ai dit bon. Ensuite, dans les Disney, donc le livre de la jungle 2, donc les Disney cinéma, les grands comme ça. Ensuite, dans les Walt Disney, comme ceci, il est super vieux celui-ci, c'est le Peter Pan. Ouais, là il marque quand même 1987, on le voit, c'est vraiment du papier, c'est les vieux vieux. Mais justement, j'aime bien les un peu vintage. Ensuite, les Walt Disney, La Belle au bois dormant, comme ceci, donc Walt Disney Cinéma, mais les anciens. Toujours dans les Walt Disney Cinéma anciens, Bambi. Et pour finir, le bossu de Notre-Dame. Je ne sais plus si je l'avais, je l'ai repris. Parce que je sais que je l'ai, mais peut-être je ne pense pas dans ce format-là, puisque c'est le format cinéma. Voilà, pour les livres. Ensuite, j'ai trouvé pour ma pépette. Alors, il est un peu grand, certes, mais je dis, ça lui servira toujours. Alors, je me recule un peu. C'est un sac de couchage réponse. Un sac de couchage, ouais, un duvet réponse. Donc, il est grand. Mais quand elle l'a vu, elle était trop contente. J'ai dit, pour cet été, si on doit partir. Un week-end chez mes parents là, dans la montagne, elle sera contente de camper entre guillemets. Voilà. Voilà, pour 2 euros. Hein. J'ai pas hésité. Et ensuite, on finit pour le
tout ce qui est Disney et tout ça avec. Alors, celui-ci, alors je ne sais plus. J'ai eu beau demander à mon mari, je ne sais plus comment il s'appelle lui. Enfin, dans quel, je sais que c'est un de Disney, mais je ne sais plus qui c'est. Donc si vous pouvez m'éclairer, voilà. Donc celui-ci. Ensuite, de nouveau, une petite Marie. Là, on commence à en avoir. J'en ai trois. Non, c'est la troisième. Il y en avait un en doudou aussi, avec, vous savez, le carré, là. Voilà, donc là, c'est la troisième. Toute Mimi, franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Ensuite, nous avons Belle, qui vient agrandir la collection, parce que ça, on ne l'avait pas encore, Belle. Voilà. Parce que la dernière fois que j'en avais trouvé une, le monsieur, il l'a vendée. Non, je suis désolée. Dans un vide-grenier, moi, je ne mets pas de 15 euros dans une peluche. Ce n'est pas méchant, mais c'est comme ça. Et enfin, j'ai trouvé... Je suis trop contente. Croque-moi. Trop beau. J'adore. Franchement, j'adore. Et ça, je pensais pas en trouver, parce que, en principe, là aussi, c'est à des prix exorbitants à chaque fois qu'on nous demande. Et là, la dame m'a fait, non, 1 euro chaque peluche. Bon, très bien, allez, embarqué. Voilà, voilà. Ensuite, on va passer donc à ses affaires à elle. Notamment, il y a quand même une touche de Disney, puisque je lui ai trouvé une petite combi en 3 ans. Donc, Tigrou. Voilà. Avec la petite queue derrière. Trop mimi. Voilà, qui fait quand elle a vu ça pour cet hiver-là, elle va être trop, trop bien. Voilà, voilà. Ensuite, je lui ai pris la marque Tape à l'œil. Donc, j'ai pris en 4 ans cette fois-ci. Je commence un peu le 4 ans. Une jolie petite jupette comme ça. Voilà, en kaki. Toute mignonne avec ses tout pailleté. Ensuite, je lui ai pris un petit pyjama mini comme ceci. Voilà, avec le pantalon qui va avec, resserré en bas. Voilà, en 4 ans aussi. Non, c'est en 3 ans peut-être ça. Non, 3 ans, pardon. Il y a des trucs en 3 ans et des trucs en 4 ans. Ensuite, un petit ensemble en 3 ans. Comme ceci. Donc là, ça c'est le haut. Et vous avez le petit short qui va avec. Trop mimi. J'adore avec les petites poches derrière. Enfin, c'est des fausses, je pense. Ouais. Mais vraiment, j'ai adoré. C'est frais et tout, enfin voilà. Donc, c'était 1 euro pièce. Hein. Ensuite, je lui ai pris de Tape à l'œil ce joli petit pull comme ceci, avec le dos, voilà, comme ça. J'adore, je kiffe ça. En 4 ans, celui-ci. Voilà, c'est ça. Ça vaut vraiment le coup parce que, quand même, ils sont. Elles sont pas du tout abîmées les vêtements et ça, enfin voilà, quand on sait même en solde que des fois quand même on paye les trucs encore cher, alors que là c'est quand même nickel et que je les ai payés 1 euro. Donc là c'est la princesse Sophia, voilà, ça c'est en 3 ans, non 4 ans pardon, évidemment. Donc quand elle a vu évidemment... Je ne pense pas que d'ici un an et demi, elle ne soit plus du tout princesse. Là, en 4 ans aussi, mais qui taille petit, Hello Kitty. Donc, elle le mettra certainement cet hiver. Qui taille petit, elle m'a dit la dame. Voilà. Ensuite, un autre petit ensemble en 4 ans, comme ceci. Voilà. Donc, ça, c'est le débardeur. Et le petit short, j'ai adoré, j'adore ces couleurs là, un peu flashy et tout, vraiment nickel, nickel. Donc en 4 ans, une jolie petite robe, mais qui taille un poil petit, elle m'a dit la dame, donc comme ça, très fluide, très 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 jolie. Je sais pas quelle marque c'est ça, PM Loving, ah si, elle m'a dit qu'elle l'avait acheté. Je sais plus. Je sentais une odeur, je crois que c'était les vêtements, mais non. Ensuite, de la marque Monoprix. Une jolie petite blouse. Donc ça, c'est en 4 ans. Donc c'est un peu grand, mais bon, je sais qu'elle le mettra.
Trop mignon, j'adore. Ça avec un petit legging, un petit corsaire, ou jegging, enfin bon bref. J'ai plein d'idées moi. C'est ma poupée, ma chérie. Voilà. Ensuite, là c'est de CFK. En 4 âmes. Donc là aussi une petite blouse. Là, pareil avec ça, une petite veste en jean par-dessus, un petit jean dessous ou jegging. Et voilà. Bon bref. Et ce joli petit pull aussi, magnifique, avec un petit nœud, le col comme ceci, voilà, et comme ça. Nickel. Et pour finir, pour elle, une jolie petite veste moumoute comme ceci. Elle est trop trop belle, franchement. Et vous vous rendez compte, 1 euro alors que c'est de l'Okaidi. La dame a dû payer ça, ne serait-ce que ça, 30 euros, quoi. Donc voilà. Voilà pour elle. Et ensuite, pour moi, donc, je me suis trouvé quelques petites affaires. J'étais contente. Je me suis trouvé une robe magnifique comme ceci. Voilà, donc en bleu roi. Très 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 belle. Qui m'arrive à peu près au genou. C'est de la marque BNK. Voilà, c'est en taille M. Elle est très fluide, elle est super agréable, elle me va trop bien, je suis trop contente. Ensuite, je me suis trouvé toujours la même dame, un petit haut pour cet été, comme ceci, donc enfin, un bustier, ça se met autour du cou quand même. Voilà, donc fluide après, j'ai trouvé ça trop mimi, et c'est de la marque Ming Collection, voilà, c'est une taille L. Voilà. Ensuite, une tunique, on va dire, parce que là, ça fait. C'est robe, mais je la trouve un peu courte. Donc, moi, je la mettrais plutôt en tunique avec un petit legging dessous. Donc, une jolie petite, comme ça. Voilà. Pour cet été. Nickel. Ça m'arrive mi-cuisse. Donc, ouais. C'est quand même. Limite, hein. Voilà. Maintenant, pour mon âge, j'aurai 20 ans, je dis pas, mais là. C'est de la marque Kaan. Voilà. Et on y est très bien dedans. Donc je précise, j'ai tout eu à 1 euro. Il y avait deux choses que j'ai pris qui ne m'allaient pas. Je ne les montrerai pas. Je vais les donner à ma belle-sœur. Enfin, une de mes belles-sœurs. Ensuite, une robe comme ceci, très fluide là, qui fait en fait office. Alors là, attendez, vous la voyez bizarrement. Voilà, normalement, ça se porte comme ceci. Comme si j'avais un collier en fait. Vous voyez, comme ça là. Toc. Et après, vous avez le truc comme ça. Voilà. Donc, super belle. Pour cet été, nickel. Ensuite, de la marque La Bohème. Alors, attendez, je pense que je l'ai foutu à l'envers. C'est exact. J'ai quand même essayé donc pour voir si les choses m'allaient. Et ensuite, une petite chemise. Enfin, ça, c'est un petit haut comme ça avec un genre de débardeur comme si on avait un t-shirt avec une petite chemise par-dessus croisée comme ça. Donc, c'est manche 3/4, un petit peu plus que le coude, quoi. Voilà. C'est fluide et tout, je m'y sens super bien en noir. Voilà. Et enfin, pour finir, alors celui-là il me sert un petit peu, mais voilà, quand j'aurai perdu encore 2-3 kilos, ça devrait passer. Mieux, voilà, c'est un petit chemisier comme ça, avec un débardeur dessous, ça passe nickel, nickel chrome, et c'est de la marque Villa. Je connais pas. Voilà. Écoutez, cette vidéo est terminée. Elle a été un petit peu courte parce que j'avais pas énormément ce week-end-là de vie grenier proche de chez moi, enfin qui était intéressant quoi. Au final, j'en ai fait 3 le matin et 2 l'après-midi, mais dont un qui était, voilà, comme je dis, nul à chier. Et le deuxième où ouais, il y avait quasiment rien. Voilà, sur ce, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à liker et à la partager, à vous abonner pour ceux et celles qui ne le seraient pas encore.
Mais que dire de plus? Que je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.